Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Two World. Alors, à l'épisode 2, on s'était arrêté à la forge. Alors, j'avais parlé qu'on regarderait vite comment ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on va Vous faire voulez ensuite. savoir ce que sont les pierres magiques, alors? Non, ça, on va On verra ça une autre fois. Prenez votre temps. C'est pas ça Moi, que je c'est ce que voulais je fais. faire. Alors, F2 pour faire l'inventaire. Et donc, à mon avis, c'est directement sur ça. Voilà, artisanat, cassé, lâché. Donc, cassé, je vais vous montrer ça sur, par exemple, une épée. C'est, comment dire, c'est... Ouais, bon, on détruit une arme pour récupérer de l'équipement, en fait. Voilà. Et du coup, écoutez... Donc regardez là par exemple, après avoir cassé, faire x1, acier x1, vous obtiendrez les objets suivants. Et les objets qu'on retrouve ici. Et avec ça, comme j'avais dit que je partirais dans une optique de mage, alors on peut aussi améliorer. Donc je suppose que... Alors casser ça nous donnera du bois et une essence de feu. Et pour améliorer, il faut du bois et deux essences de feu, je suppose. Donc là, vous voyez, je les ai pas. Vous avez besoin des objets suivants pour effectuer l'amélioration. Bois, essence de feu. Je vais pas le casser parce que c'est la seule arme que j'ai. Mais alors, je vais juste tout casser rapidement. Hop. Hop. Je vais quand même garder une dague. Et une masse, on sait jamais, on pourrait toujours servir. Hop, bon, ça j'en ai pas besoin. On va le lâcher là, je sais pas si ça disparaît à un moment. Voilà, allez, c'est reparti. Alors, la sensibilité qui est haute, j'espère que je vous fais pas tourner la tête, c'est bien embêtant. Alors, retournez voir le prophète. C'est là où ça? 2 secondes. Ah, j'avais un cheveu sur la langue. Alors. J'avais aussi remarqué dans les, dans l'épisode 1, dans les parties donjons et tout, la luminosité et le rendu est vraiment mauvais. Et donc du coup, ce que j'ai fait, en post-production derrière, j'augmente le niveau de luminosité. Écoute, humain, le prophète m'a dit de te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Une pierre de téléportation. Devine à quoi ça sert. Comment je l'utilise? Grâce à elle, vous pourrez vous rendre à n'importe quel téléport que vous avez déjà visité, ou ceux avec lesquels vous serez connecté. Je crée une connexion entre votre pierre de téléportation et le téléport que vous avez utilisé quand vous êtes entré dans le camp, et avec celui dans ma pièce. Ce sont les deux seuls disponibles pour vous maintenant. Oui, cela semble facile. Parce que ça l'est. Objet obtenu, pierre de téléportation. Intéressant, bon, je suppose que c'est pour se téléporter de ville en ville ou de base. Me revoici. Pouvons-nous continuer? Oui, vous aviez des questions. Que désirez-vous savoir? Votre vision. Qu'en concluez-vous? Si Gandoa a réussi à extraire le pouvoir d'Azirael qui repose dans le corps de Kira sans vous, il peut découvrir comment le contrôler. Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi il fait ça. Que puis-je faire? Patience! La réponse sera vite évidente. Maintenant, allez parler à Gortarius, le mage orc. Il vous éclairera quant à la prochaine étape de votre périple. Ses instructions sont également de vous y amener. Me délivrer? Il vous expliquera tout. Alors, utilisez la pierre de téléportation pour vous rendre à la chambre de Gortarius. Alors, F2.
Non, attendez, j'ai un point là. Est-ce qu'il faut que je lui... Alors, nous avons enfin un peu de temps, Salassal. Oui, l'élu. Des questions? Juste une. Qu'est-ce qu'une personne comme vous fait dans un lieu comme celui-ci? Évitez-moi ces balivernes. Quoi? Admettez qu'une jolie femme comme vous, vivant au milieu de ces créatures sur une île perdue en pleine mer, c'est assez rare. Maintenant que vous le présentez comme ça, vous pourriez avoir raison. Heureux que vous soyez d'accord. Alors, quelle est votre histoire? Si vous avez cru qu'il était suffisant de le demander pour que je vous raconte, vous vous trompiez. Vous devrez mieux faire. Je prévoyais que vous me diriez ça, mais ça valait la peine d'essayer. Alors, que faisons-nous ensuite? Nous? Je pense que c'est vous, pas nous, qui êtes censés faire quelque chose. Je crois que vous avez des ordres. D'accord, d'accord. J'espérais juste que vous vous joindriez à moi pour ma dangereuse quête. Vous savez, c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Oh, je suis sûre que vous allez vous en tirer. Rappelez-vous que je vous attends ici. Vraiment? J'ai enfin une raison de revenir ici, après tout. Ne vous faites pas trop d'illusions. Mais ne te fais pas tuer. Je ferai de mon mieux. Alors, la pierre de téléportation. Où est-ce qu'elle est? Enfin, faudra pas tout à l'heure, avant de recommencer à se battre, je ne sais quand. Je veux augmenter mes compétences, ben je ne l'avais pas fait. Eh bien, au dernier épisode, quand j'avais les vêtements. Le prophète semble le penser. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Je ne me ferai pas de soucis de ce côté-là. Vous autres, les humains, êtes toujours sûrs de vous. Ce trait de caractère est certes des plus intéressants, mais il n'est également à l'origine de nombreux échecs dont a souffert votre race. Bon, mettons-nous au travail. Certainement. Notre téléport a été endommagé pendant votre sauvetage. Il est quasiment opérationnel, mais ne fonctionne que sur des courtes distances. Il y aurait trop de risques dans l'état actuel pour cette téléportation à longue distance comme la vôtre. Risqué? Bien sûr. Une pierre de stabilisation est indispensable pour orienter avec précision toute dématérialisation. Mais nous avons égaré notre pierre pendant les réparations. Je soupçonne les Grooms, mais je n'ai aucune preuve tangible. Si nous devons poursuivre notre voyage, j'aurai besoin de cette pierre. Je n'ai pas vraiment le choix, il semblerait. Malheureusement, non. Alors, pourquoi ne pas vous en préoccuper, procurer une nouvelle? Vous savez où pourrait se trouver cette pierre de stabilisation? D'après Rockdor, les Grooms ne s'aventurent pas dans cette partie de l'île. Pourquoi reporter? Vous savez où pourrait se trouver cette pierre de stabilisation? Avant de déplacer le téléport, je travaillais dessus de l'autre côté de l'île. Suivez le chemin et examinez les indications sur votre carte. Cherchez un pont et un groupe de Grooms non loin. C'est comme je le pense. La pierre a été dérobée pendant mon absence. Il est plus que probable que les Grooms retourneront sur le lieu de leur exaction pour voir s'il n'y a rien d'autre à piller. Pourquoi reporter au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Fort juste. Je vous attendrai ici. Bon allez, donc... Eh ben, c'est quoi toutes ces quêtes? Nous ne pouvons pas risquer d'utiliser ce téléport sans la pierre de stabilisation. Bon. Alors, téléport... Donc voyons voir la carte. Bon voilà, ça c'est leur petite île. Je pense qu'on aura accès à tout ça plus tard. Donc on va rester dans ce coin-là de la carte, hop, et donc le téléport endommagé, donc il faudrait que j'aille là, je suppose. Donc, ok, là c'est là où on est arrivé. Alors j'avais dit F2, inventaire, voilà, les compétences. Donc je pars sur une optique de mage, donc je vais augmenter la régénération de mana. Le feu. Voilà. Ok.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, j'ai les compétences meurtrier, donc ça, c'est les assassins. Artisanat, je pense pas que ça me servira pour le moment. Régénération de santé, résistance au poison, résistance physique, énergie. Bon, non, je vais rester sur les mages. Ah, bien, écoutez. Ah, je peux. Alors, attendez, bouton sur les droits pour diminuer la compétence. Ah, j'ai plus de points, c'est pour ça. Bon. Et donc, j'ai aussi les attributs. Alors, en attributs, on va augmenter. Accroît la mana de 10, régénération de mana. Augmenter ça de 3. Dommage de mêlée accru, non. Dommage distance accrue. Bon, est-ce que ça marche pour la magie? Je pense pas. Bon, on va augmenter. Accroît la capacité de 15. Hop, et la vie une fois. Voilà. Et bien c'est parti. Je regarde juste une dernière chose, mais ça. C'est bien le feu. Donc, c'est nickel. La map. Alors, la map, c'est quoi? C'est M ou c'est Y? D'accord. C'est ni l'un ni l'autre. Alors, faut-il que j'aille? On va fouiller ça vite fait. La nourriture, c'est une blessure moyenne. Bon, je me suis pas penché encore du tout sur tout ce qui est ouais, les ressources et tout, mais bon, je perdrais trop de temps, je pense. Mais c'est vrai qu'on peut prendre des tonnes. Bon, mais c'est parti. Donc le point vert sur la mini-carte en bas à gauche, je suppose que bah, c'est là où il faut aller. Hein. Alors, des ennemis, encore, des gromes. Ah, voilà. Ça y est. On va pouvoir s'amuser. Hop. J'ai autant de range. Et là, pardon, oui. Ah oui, d'accord, bon, la mana aussi, non, ouais. Alors ça va venir, j'apprends à jouer. D'accord, donc comme je l'avais prévu, la mana qui s'écoule à une vitesse plutôt hallucinante. Enfin, du coup, bien que je contrôle. Alors là, j'ai perdu déjà beaucoup de vie. N'oublions pas, toujours fouiller cœur du téléport. C'était ça qu'il fallait que je trouve? C'est tout? D'accord. Voilà. Alors je vérifie juste un truc avant. Voilà, les potions. Est-ce que je peux les glisser? Touche 4, 0 à signer. Touche 4, 0. Oh, attendez, non, c'est pas ça, ça. Ah, ok. Donc là, je sais pas si je fais 9, d'accord. Ouais. Donc, on va aller. On va avoir Cortarius, on va lui rendre sa pierre. Ah, c'était quoi? C'était ça. Hop. Du coup, ça rend les voyages enfin beaucoup plus rapides. J'attends depuis des siècles. J'ai la pierre. Excellent. Vous aviez vu juste. Je suis tombé sur un groupe de Groms non loin du pont. Ils étaient bel et bien en possession de la pierre. Ça ne m'étonne guère. Ils ont un faible pour les objets brillants, tout comme les poissons et les femmes. Nous avons eu de la chance d'avoir pu récupérer la pierre. Maintenant que vous avez votre pierre de stabilisation, est-ce que quelqu'un a l'intention de me dire où je vais? Bien sûr.
sûr. Mais je ne suis pas celui qui vous le révélera. Le prophète éclairera votre lanterne pendant que je finis de réparer le téléport. Où puis-je la trouver ? La voici. Vous vous en sortez plutôt bien ? C'est plus rapide comme ça. Il fallait juste que je me remette dans le bain. Ça me semble le cas. En tout cas, votre voyage commence ici. Si nous voulons éviter les événements catastrophiques de ma vision, vous devrez découvrir les intentions de Gondoar et changer en lumière l'ombre qui entoure son nouveau pouvoir. Où pensez-vous que je devrais commencer ? Nous avons peu de choses concernant le Dark Lord avant qu'il apparaisse pour la première fois, il y a 11 ans. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler concernant une Tower of Fangs, près d'Atmandor, qui aurait pu servir de quartier général aux diaboliques mages avant la bataille d'Osvaroth. Je suppose que beaucoup de choses peuvent être apprises en examinant les choses que Gondoar a laissées derrière lui. Une fois que je serai à Atmandor, que devrais-je faire ? Un mouvement de résistance est formé contre Gondoar et ses troupes. Personne, pas même moi, ne connaît l'identité des résistants ni l'endroit à partir duquel ils mènent leurs opérations. Je suis néanmoins certaine qu'ils ont tissé des liens étroits avec le monde criminel d'Atmandor. Faites le nécessaire pour entrer en contact avec ces guerriers rebelles. Ils sont peut-être bien les seuls à savoir comment accéder à cette tour. S'il existe un moyen d'entrer, je le trouverai. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, bon, il faut que je parle à qui maintenant ? Est-ce que les points bleus, c'est des quêtes ? On va aller vérifier ça tout de suite. Donc en bas, il y a le fort. Bon, écoutez. On va faire le tour. Et puis, alors est-ce que... Si, c'était ça, c'était bouton 6 pour les quêtes, il me semble. D'accord. Alors, on dirait une... On dirait la version canadienne d'un film américain avant que les versions françaises, enfin les traductions françaises sortent. On peut tomber sur ce genre de version et c'est traduit en français, mais ils gardent les noms en anglais, The Block Breakers, The Block Lord. Et là on voit aussi dans les quêtes la Tower of Fangs. C'est drôle. Arrêtez. Alors, ça. Est-ce que t'as une quête ? Arrêtez ça. D'accord. Bon, apparemment, il a rien. Apparemment, je l'emmerde. Arrêtez ça. Oui, oui, c'est bon, je m'en vais. Allez, on fait cette chambre en premier. Ouf. Oh. Allez. Ne pensez même pas à toucher à ça. Il réagit là. Je me disais bien que... Bon, j'aimerais te parler. Une bonne chose que vous soyez ici. Ah ben il pourrait se... Vraiment ? Il y a une chose pour laquelle j'ai besoin que vous m'aidiez. D'accord. Il y a une épave de bateau sur la plage, au nord d'ici. Je veux que vous la fouillez et que vous me rameniez le livre de bord du capitaine. Je veux savoir qui étaient ces gens. Comment arriver là-bas ? Suivez le chemin vers le nord de l'île. Vous y trouverez une plage avec un bateau échoué. Le livre de bord devrait être quelque part. Je crois que je peux me débrouiller. Espérons. Bah oui, je vais y arriver. Alors, la chambre en face, j'ai oublié. La chambre de l'archer. Vous êtes en pleine mission, n'est-ce pas ? C'est ça. Où vous rendez-vous ?
à Atmandor. Alors, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi ? J'ai besoin que vous rendiez visite à quelqu'un et que vous me rameniez quelque chose qu'il vous donnera. Qui est-ce ? Et où puis-je le trouver ? Il s'appelle Mongar. Il vit à Durban. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Bien, c'est d'accord, je le ferai. Le jeu parfois, enfin le son du jeu parfois se diminue. Alors, j'espère que c'est pas gênant pour la vidéo, sinon ça m'embêterait un peu beaucoup même. Là c'est la chambre du sorcier. La pierre de stabilisation semble fonctionner. Mais il n'y a qu'un seul et unique moyen d'en être absolument sûr. Fantastique ! Vous voulez dire que je pourrais très bien me retrouver au fond de l'océan ? Non. Les flux de dématérialisation semblent être vivaces entre Atmandor et Bayan. Un vieux village entre la savane et Atmandor. Quoi qu'il en soit, si j'étais vous, je voyagerais léger. Attendez, je pense qu'il y a encore des choses auxquelles je devrais jeter un œil. Mais revenez aussi vite que possible. Il y a deux points que j'ai pas encore fait, alors je vais vite fait aller voir. Oh, on peut courir, oui, voilà, c'est ça, c'est cette touche-là. Donc je vais courir voir. Je crois que c'est là-haut. Là. Ok, là c'est verrouillé, de l'autre côté. Ça doit être la chambre de ma copine, bingo. Alors désolé, hein, quand je tourne la caméra... Continuez votre quête, jusqu'à ce que nous nous revoyions. C'est que la sensibilité des fois est vraiment très haute, je sais pas pourquoi. Bon, on va éviter de la voler, sinon elle va me tuer. Je sais pas, hein, mais je... vu comment l'autre s'est énervé, je vais pas prendre le risque. Bon, mais écoutez. On va se téléporter. Je vérifie comme je suis à côté de ma chambre au passage. Alors, j'ai ramassé un cahier aussi tout à l'heure. Livre de compétences flèche de feu. Ça peut être utile. Y a pas moyen de. Bon, il a dit qu'on se téléporterait dans une ville. Donc... Alors, vous êtes prêt? Je suppose qu'il y aura un vendeur là-bas. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de partir? Il y a autre chose que je devrais savoir avant de partir? S'il y a un problème, votre téléportation sera interrompue. Dans ce cas, utilisez votre carte pour vous orienter. J'ai comme qui dirait l'impression que ça va mal finir. Je ne me ferai pas de mauvais sens si j'étais vous. La probabilité de votre survie est élevée. Je vais poursuivre mes travaux sur le téléport pour qu'il soit entièrement opérationnel. À présent, partez. Au début qu'on aurait la même animation que les chemins de traverse de Harry Potter quand j'ai vu la lumière verte, mais non. Quand même, ils n'ont pas osé copier ça. Aïe. Peux-tu m'entendre? Kira? Où? Comment fais-tu cela? Nous n'avons que quelques secondes avant que la connexion soit coupée. Attends, Kira. Tu vas bien? Aide-moi. Kira! Bon, petite cinématique, bon... S'il vous plaît, auriez-vous quelque chose à manger? J'ai déjà oublié le goût qu'avait la viande. Je n'ai pas grand-chose à partager. Prenez cette saucisse. Merci. Monsieur, merci. Quelle fumée. Oh merde. Peut-être parce que je n'ai rien mangé depuis des jours. Pourquoi? Que s'est-il passé ici? La sécheresse. Je vivais à Oros, un petit village de pêcheurs au sud.
mais une tempête a détruit nos bateaux. Quelques maisons aussi. Alors je suis venu ici, mais il y règne la famine. Alors pourquoi rester ? Les portes de la route d'Atmandor sont fermées. Je n'ai pas le choix. Alors, vous savez où se trouve Atmandor ? Au nord-ouest d'ici, à une journée de cheval. Et tu veux ma saucisse ? Ah, désolé, mais... Comment va ? Parce que moi, ça va bien et mes marchandises encore mieux. Eh ben écoute, si tu vas bien... Ah, donc ouais, bon, voilà, je peux bien vendre. Ça, c'est cool. Non, je regarde si j'ai pas d'autres trucs à vendre, genre tous les livres qui ne me servent à rien, au final. Hop, vendre, vendre, vendre. C'est quoi ça? Bon, je peux pas le vendre. Niveau qui en pose de pièges. Bon, je vais pas poser des pièges. Carte, quête, réputation, crochet, torche. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça... Je sais pas. On va le garder. Je trouve que c'est utile. Au revoir. Donc là, on a tous les animaux qui... pour la vie et tout. Le nez qui me gratte, je sens que je vais éternuer. Ah non, c'est bon. Alors. S'il vous plaît, j'ai faim. Mon mari est parti travailler dans les mines. Je suis sans nouvelles de lui. Auriez-vous quelque chose à manger ? Cette pièce de viande semble appétissante. Prenez-la. Ils vont me ruiner, quoi. En effet, un bien beau morceau. Vous ne me connaissez pas, mais grâce à vous, mes enfants n'auront pas faim aujourd'hui. Je suis née ici, et je connais bien les environs, comme personne d'autre à Bayan. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Bon à savoir, qui est à la tête de ce village ? Halima, notre chef. Si les choses continuent ainsi, quelqu'un va réduire ses chevaux en viande froide. J'espère seulement qu'ils partageront. Où puis-je trouver Halima ? Pas loin d'ici. Mais c'est atroce. C'est la seule maison avec des clôtures et des chevaux. Vous ne pouvez pas la manquer. Ils veulent manger les chevaux. J'en ai besoin, moi. Bon, au final, je suis en train de donner toute ma bouffe, mais... C'est pas en vain. Oh, intéressant, il y a aussi... Ah, de la magie noire. Très, très intéressant, ça. Il y a plusieurs orientations magie, ça me plaît. Alors, j'avais oublié de mettre le timer au début. Et je vois que c'est bientôt la fin. On fait pas grand chose par épisode. C'est pour ça que j'essaie d'en publier au moins deux par semaine, le lundi et le jeudi. Normalement, l'épisode 2 est apparu le mardi parce que j'ai eu un problème au niveau de YouTube. Donc, j'ai pas relancé une quête. C'est vrai qu'il y avait la quête à faire sur la plage sur l'île des orques. J'ai vu aussi que dans F2 là, parce que je vois qu'on donne à manger et que les gens commencent à nous apprécier, mais il y a un truc apparemment réputation. Ah oui, non mais pas du tout en fait. C'est quoi ça? Ah non, c'est le truc des défis, donc non, c'est pas du tout ça, donc oubliez ce que j'ai dit. Ah, bah écoutez, l'épisode se termine là. Je coupe le timer, voilà. N'oubliez pas, commentez la vidéo, donnez vos avis, ça m'aide vraiment pour m'améliorer, pour faire en sorte que la vidéo soit d'une qualité très bonne pour vous. Aimez la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous pour savoir quand les épisodes sortent et puis voilà, c'est à peu près tout. Ben, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao.